Bonsoir à tous, bienvenue à tous dans votre JT. Merci d'être avec nous. Je vous propose de commencer cette édition avec l'image du jour. La voici, elle a été prise aujourd'hui par notre journaliste du centre, Vanessa Kédé. On y voit un infirmier mandaté par le gouvernement. Il est à bord d'un minéralier dans la baie de Nakheti à Canala. Le spécialiste des maladies tropicales s'est rendu à bord pour voir si aucun membre du personnel navigant ne présentait les symptômes du Covid-19, les détails dans cette édition avec un reportage complet. En attendant, voici les titres. Les Calédoniens bloqués à l'étranger sont invités à contacter les ambassades des pays où ils se trouvent et à appeler le 05 05 05, la plateforme de la direction de la sécurité civile pour l'organisation du rapatriement. C'est l'une des annonces faites aujourd'hui par le gouvernement. Nous y reviendrons en détail dans cette édition. On commence ce JT, je vous le disais en titre à l'instant, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a donné sa conférence quotidienne aujourd'hui à 10h. Parmi les annonces qui ont été faites par le porte-parole du gouvernement, Christopher Gigès, les Calédoniens bloqués à l'étranger sont invités à contacter les ambassades des pays où ils se trouvent et à appeler le 05 05 05. C'est la plateforme de la direction de la sécurité civile pour l'organisation du rapatriement. Je vous propose de revenir en détail sur les annonces faites ce matin avec Mara Lurde. Appeler la plateforme téléphonique mise en place par la sécurité civile et ouverte 24 heures sur 24 au 05 05 05. Cette plateforme est alimentée en continu en fonction de l'évolution de la situation. Pour ceux qui sont actuellement à l'étranger, ils doivent prendre contact avec l'ambassade de France la plus proche. La liste des ambassades est sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, diplomatie.gouv.fr. Pour ceux qui sont en métropole, ils doivent prendre contact avec la Maison de la Nouvelle-Calédonie, mncparis.fr ou 01 42 86 70 00. Pour le fret, l'organisation sera assurée dans les prochaines semaines pour l'approvisionnement alimentaire et les médicaments. L'accueil des enfants des personnels des professions prioritaires sera opérationnel dès lundi 23 mars. Pour connaître les modalités d'inscription au mode de garde, appelez le 20 49 05. Un dispositif de rationnement sera mis en place également pour le gaz. Mesures économiques. La déclaration papier de l'impôt sur le revenu des personnes physiques est reportée du 31 mars au 15 avril. Possibilité d'échéancier dès à présent de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises du tourisme directement impactées. Mesures sanitaires. Une distribution de 200 000 masques a été faite hier aux professionnels de santé et sera poursuivie aujourd'hui. Voilà, vous pouvez retrouver les dernières mesures et annonces du gouvernement sur notre site caledonia.nci. Toujours dans le chapitre institutionnel lié au coronavirus, l'actualité nous emmène à Tahiti. La Polynésie française mise en confinement général. Le décret est tombé aujourd'hui lors d'une allocution du président du gouvernement de la Polynésie française, Edouard Fridge. Je rappelle que 15, c'est le nombre de cas avérés de coronavirus sur l'archipel. Alors, quelles mesures ont été prises pour la période de confinement? On écoute nos confrères de TNTV, Mike Leral et Thierry Nui Paouri Philippon. Évidemment, il y a aussi des inquiétudes sur le plan économique et social. Dans cette perspective, le gouvernement a proposé aux partenaires sociaux hier un plan de continuité, un plan de sauvegarde de l'économie polynésienne. Dans ce plan, il y a de nombreuses mesures, mais il n'y a pas encore pour l'instant une mesure demandée par les partenaires sociaux, les syndicats et les employeurs. Eux veulent un salaire minimum de solidarité de 120 000 francs pour tous les employés et pour tous les patentés de Polynésie qui seraient confinés et qui donc ne pourraient plus travailler. Ça représente une mesure globale de 8 milliards de francs pacifiques, donc c'est relativement important. Et évidemment, ça c'est par mois, c'est-à-dire que si le confinement devait par exemple durer 3 mois, ce serait 8 milliards multipliés par 3. C'est pour cela que la Polynésie demande une aide importante financière à l'État.
Justement, vous parlez de cette aide de 120 000 francs par mois pour tous ceux qui devront arrêter de travailler. Alors, ce n'est pas encore confirmé si cette aide sera accordée, mais ce qui est sûr, c'est que le gouvernement a demandé aux institutions bancaires et aux services du pays à ce que la population puisse décaler le paiement de leurs prêts ainsi que des impôts. Et ce qui a été confirmé aussi, c'est le passage en produits de première nécessité, des masques, des gels et des gants. Allez, retour au pays, direction l'île des Pins, dans le sud du pays. L'application des consignes barrières pour éviter une pandémie. Les coutumiers sur place veillent scrupuleusement à ce qu'elle soit respectée. Nous allons le confirmer tout de suite avec Gilles Kechengen Tokomboué, le petit chef de la tribu de Youati. Bonsoir, monsieur le petit chef. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, des étudiants et des écoliers sont rentrés hier de Nouméa, destination Kouigny. Alors, quelles sont les consignes que vous leur avez données ? Les consignes ont été données aux étudiants en Kouigny. Ils ont scolarisé sur Nouméa ou sur la Grande-Terre. Et une fois arrivés sur l'île des Pins, soit par voie aérienne ou voie maritime, seront, juste à l'arrivée, seront examinés par une équipe médicale de la dépasse de l'île. Et une fois la fièvre, par exemple, une fièvre détectée sur une personne, la personne sera confinée à domicile. Et quand vous dites confinée à domicile, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas sortir de chez eux, aucun contact avec la famille, comment ça se passe ? Est-ce qu'ils ont droit aux mêmes mesures de confinement ici ou en France, ou comment on peut entendre aussi à Tahiti ? Le confinement à domicile, c'est enfermé à domicile, pas de sortie, pas de contact avec les parents, pas de contact avec la population en général. Et au niveau est-ce que sur place il y a encore des touristes ou des personnes non résidents à l'île des Pins qui sont sur place ? Non, les touristes des hôtels de l'île des Pins ont été rapatriés sur Nouméa 1 depuis jeudi. Jeudi, toute la journée de jeudi et toute la journée de vendredi. Il n'y a plus de touristes dans les hôtels à l'île des Pins. Est-ce que c'est tous les hôtels donc sont vides ? J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait en ce moment même un deuil du côté de l'île des Pins. Comment ça se passe puisque le gouvernement a interdit tous les rassemblements de plus de 20 personnes ? Qu'en est-il de cette mesure et son application sur place par rapport au deuil sur place ? Cette mesure est appliquée sur l'île des Pins. Il y a aujourd'hui un deuil sur l'île des Pins. Les personnes descendent en deuil, les gens, les intéressés qui sont en deuil ont été informés de la décision du gouvernement de se rassembler à 20 personnes, pas plus. Plus de 20 personnes seront interdites, c'est interdit. Et comment est-ce que la population de l'île, comment est-ce qu'elle a perçu, enfin comment est-ce qu'elle a pris cette nouvelle lorsque le gouvernement a annoncé qu'il y a deux cas de coronavirus qui sont avérés ici au pays? Quelle est l'ambiance sur place du côté d'île des Pins? L'ambiance sur l'île des Pins, la population était un peu étonnée de voir, d'entendre qu'il y a deux cas sur l'île des Pins. C'est la peur, c'est la peur de la population. Oui. Et la population se dit que, bon, vu le nombre d'habitants sur le territoire, si c'est un cas, se propage, on n'est pas nombreux sur le territoire, alors ça va vite se propager, puis les décès vont vite se voir et la population va se baisser par rapport à ce virus. On a pu le voir tout au long de la population, quand même.
Je disais qu'on a pu le voir tout au long de nos éditions, depuis que justement le gouvernement a annoncé les deux cas avérés de Covid-19. Plusieurs scènes qui se ressemblaient dans tout le pays, du nord au sud, mais également aux îles Loyauté, où les pharmacies et les magasins ont été pris d'assaut avec une surconsommation des produits de première nécessité comme les pâtes, le riz ou encore les papiers WC. Est-ce que du côté de l'île des Pins, les magasins aussi sont pris d'assaut? Comment ça se passe? Est-ce que les rayons sont pleins, ou vous craignez une pénurie aussi? La marchandise est limitée entre la population est, par exemple, pour une personne, une personne a le droit de prendre 2 kg de sucre, 2 kg de riz, 2 paquets de pâtes, 2 boîtes de conserve, voilà, c'est limité. Et parce que c'est vrai qu'on parle, on a parlé des illoyautés par rapport à la double insularité, par rapport à la grande terre en termes d'approvisionnement, en termes de livraison, surtout des frets par voie aérienne et au niveau maritime. Qu'en est-il de l'île des Pins? Est-ce que ce soir, on peut affirmer qu'il y aura toujours des frets qui vont être acheminés vers l'île des Pins pour réapprovisionner l'île? Du côté fret, on est approvisionné sur l'île des Pins aujourd'hui par voie aérienne. Et par voie maritime, on attendra la consigne du gouvernement pour dans les 14 jours qui suivent. Gilles Katchenge, voilà. Tokomboué, merci. Et je vous en prie. Merci d'avoir, accepté l'invitation. Bonne soirée du côté de l'île des Pins. Merci à vous aussi. Toujours par rapport à l'application des consignes qui nous ont été annoncées et arrêtées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Je rappelle que le pays, nous sommes toujours à 2 cas de coronavirus avérés, comme vous pouvez le voir à l'image. L'occasion pour moi de vous rappeler les gestes barrières, des consignes simples à appliquer à la portée de tous. Alors, lorsque vous toussez ou éternuez, couvrez votre nez et votre bouche avec votre coude afin de réduire la propagation des microbes. Lorsque vous toussez ou éternuez, utilisez un mouchoir, de préférence en papier. Jetez-le dès que possible à la poubelle, puis lavez-vous les mains fréquemment à l'eau et au savon pendant au moins 20 minutes. Désinfectez vos mains avec un gel hydroalcoolique. Restez à une distance de plus d'un mètre d'une personne qui tousse ou éternue. Portez un masque si vous êtes malade. Voilà. Et puis, si vous toussez, si vous avez de la fièvre et si vous avez des difficultés pour respirer, appelez le 15. Allez, retour au pays, direction maintenant la capitale, direction Nouméa, où aujourd'hui s'est tenu le marché Broussard, comme tous les samedis du côté de Ducos. Aujourd'hui, un marché Broussard qui était inhabituel pour les habitués, qui ont pu remarquer quelques changements. Vous verrez ce soir comment les exposants ont dû modifier l'emplacement des stands pour respecter les règles barrières. Toujours les consignes barrières mises en place et arrêtées par le gouvernement. C'était un marché, pas comme les autres. Regardez plutôt ce reportage signé Michel Pimbé. Ouvert mais clairsemé. Sur place, beaucoup moins de monde que d'habitude. Des mesures ont été mises en place, telles que la limitation à 100 personnes à la fois ou encore l'interdiction des véhicules visiteurs à l'intérieur du marché. C'est très bien. Ça nous permet quand même d'avoir des produits frais tout en respectant les dispositions de distanciation de 1 mètre, pas trop de monde. Donc c'est bien, c'est régulé aussi au niveau de l'entrée. Donc c'est très bien. Du côté des commerçants, des restrictions ont également été mises en place, comme l'augmentation des distances entre chaque stand. Les commerçants ont accueilli cette initiative avec satisfaction et prennent même des actions personnelles. Nous, pour protéger l'environnement, nous et les gens, en fait, on porte un masque, on porte des gants, on a du manugel. Et voilà, et on essaye de... Ma femme touche les pièces, moi je touche les légumes, de manière à ce que il n'y ait pas de contamination, quoi, de transmission si éventuelle. Oui, je trouve que c'est bien. Je trouve que ça permet de ventiler les gens, qu'il y ait moins de promiscuité. Donc s'il y a un risque de coronavirus, comme tout le monde craint, ça limite quand même un petit peu.
le marché étant ouvert, notre souci c'était d'éviter les regroupements de personnes. Donc on a pris la première mesure, c'est qu'on a limité l'accès aux exposants qu'aux produits de première nécessité, produits frais. Et on a divisé par deux le nombre d'exposants, ce qui a permis de mettre de l'espace entre les exposants. Et puis on a disposé le marché où le consommateur arrive par l'extérieur, donc il fait le tour de la halle. Donc il était important de pouvoir continuer cette activité économique pour les producteurs, puisque c'est souvent beaucoup ont le seul débouché de ce marché pour écouler leur production de la semaine. Malgré les restrictions du gouvernement, la clientèle a répondu présente ce matin. La seule incertitude du côté des vendeurs, savoir si les marchés vont être maintenus dans les prochaines semaines. Voilà, veuillez nous excuser pour les problèmes techniques que nous rencontrons ce soir. Nous ne serons pas en mesure de vous proposer le reportage au sujet des minéraliers qui ont été contrôlés par les médecins, le médecin mandaté par l'ADAS ce soir. Vous pouvez le retrouver sur notre site caledonia.nc. De l'actualité dans le monde, c'est cette tribune parue dans le journal Le Monde, le quotidien français. Une tribune signée Lucien Abenaïm, professeur d'épidémiologie. Selon lui, il est maintenant permis d'espérer la sortie de la crise du coronavirus en France. La Chine serait sur la bonne voie pour endiguer l'épidémie. Si l'on se fie aux données publiques, le taux de croissance de l'épidémie est passé rapidement en Chine à moins de 30% par jour pour atteindre moins de 1% ou 2% en 4 semaines. Une fois ce seuil franchi, l'exemple chinois, dit-il, montre qu'on peut endiguer l'épidémie en France si les mesures de confinement généralisé sans fermement appliquer. L'occasion pour moi de rappeler les arrêtés du gouvernement pour stopper la propagation du virus. Alors tous les rassemblements de plus de 20 personnes sont interdits. Toutes les manifestations publiques sportives, culturelles, religieuses ou coutumières sont interdites. Toutes les installations de loisirs recevant du public seront fermées, bars, restaurants, nakamal ou encore les bingos que l'on peut retrouver dans nos quartiers. Et puis enfin, depuis le début, tous les établissements scolaires ainsi que les crèches sont fermés. Je vous propose maintenant d'enchaîner avec la réaction du président du Congrès, Roch Wamitan. Il déplore le manque de concertation du gouvernement avec le Congrès, notamment de Nouvelle-Calédonie, au sujet des décisions prises pour faire face à la crise sanitaire que l'on connaît actuellement au pays. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro d'Alexandre Sigura. Nous sommes la partie, l'élément législatif dans le dispositif institutionnel et que le gouvernement exécute, puisque le gouvernement est l'exécutif. Mais ici, en Nouvelle-Calédonie, nous avons une démarche particulière, en tout cas propre à notre pays, c'est que concernant les grandes décisions, nous avons essayé pendant toutes ces années de prendre ces décisions à partir de débats, à partir des discussions, de concertations entre le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le Congrès. Et pour cette problématique-là qui touche quand même la vie de la population, la vie des gens, il était urgent et nécessaire d'élargir les consultations et notamment ouvrir vers la représentation coutumière, donc le Sénat coutumier, le Conseil coutumier et puis évidemment le monde économique. Là, il y a une réunion qui a eu lieu au Congrès entre les membres du gouvernement avec les différents représentants des groupes politiques au sein de l'institution, au sein du Congrès, mais également avec quelques membres du gouvernement. À l'issue de cette réunion, à l'issue de cet échange, d'un jeu de questions-réponses entre le Congrès et le gouvernement, des décisions ont été prises. Voici les détails, toujours avec Roch Wamitan, le président du Congrès. On devrait avoir les décisions prises par le président du Congrès dans quelques instants. En attendant, pour moi, je vous propose que l'on revienne sur les gestes. En attendant d'avoir la réaction, les décisions du président du Congrès, on va rappeler ce soir, c'est le nombre de cas avérés de coronavirus ici au pays. Je vous rappelle les gestes simples à avoir. Vous allez le voir. Voilà, qui s'affiche à l'antenne. Lorsque vous toussez ou éternuez, couvrez votre nez et votre bouche avec votre coude afin de réduire la propagation des microbes et ne pas contaminer vos mains. Lorsque vous toussez ou éternuez, utilisez un mouchoir de préférence en papier. Jetez-le dès que possible à la poubelle, puis lavez vos mains.
Lavez fréquemment vos mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes. Désinfectez vos mains avec un gel hydroalcoolique. Restez à une distance de plus d'un mètre d'une personne qui tousse ou éternue. Portez un masque si vous êtes malade. Et si vous avez de la fièvre et toux ou fièvre et difficultés respiratoires, appelez le 15, c'est le numéro d'urgence. On est toujours en attendant d'avoir l'interview et la réponse et les détails concernant les décisions qui ont été prises hier lors d'une réunion entre les membres du Congrès, le président et des représentants du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Je vous propose de regarder cet hommage rendu par l'artiste comorien Soprano, le rappeur français qui a rendu hommage au personnel de santé. Regardez. Je voulais vous dire merci. Si vous saviez combien vous avez changé ma vie. Ouais, on est là, hein. Yes. Ça fait chaud, Pierre, quand même, hein. Ouais, ça fait du bien. Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Voilà, une chanson que vous pourrez retrouver sur notre page Facebook et sur YouTube, sur la page de l'artiste Soprano. Nous arrivons au terme de cette édition. Malheureusement, nous rencontrons quelques soucis pour nous ne serons pas en mesure de vous diffuser la réaction et les décisions qui ont été prises lors de la réunion entre le gouvernement du pays et le Congrès. C'est une réaction que vous pourrez retrouver sur notre site caledonia.nc, ainsi que le sujet qui a été réalisé du côté de Nakheti, où nous avons assisté au contrôle du personnel navigant de deux minéraliers, un contrôle qui s'est effectué 48 heures avant la rentrée dans la baie des minéraliers, puis un autre contrôle qui doit se faire 24 heures après cette rentrée dans la baie. C'est un contrôle, un dispositif qui est mis en place partout et qui concerne tous les rotations, tous les bateaux commerciaux. Nous merci à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée et à demain.